Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, cette vidéo, eh bien, s'adresse aux moyennes sections et ce sont les rituels. Les rituels, alors c'est souvent la même chose, mais justement les enfants ont besoin de ça pour fixer leur apprentissage. Alors, tout d'abord, les moyennes sections, vous allez essayer de compter le plus loin possible. Alors je sais par exemple que Floxel compte jusqu'à 15. Je n'ai pas eu d'autres retours, mais n'hésitez pas à commenter pour me dire où en sont vos enfants. Alors, et puis surtout s'ils sont bloqués, ça veu dire que le reste de la comptine numérique n'est pas stable, mais il faut leur donner la suite pour qu'ils puissent l'entendre. Alors, je vais vous laisser mettre pause sur la vidéo et puis ensuite, eh bien, je vais compter avec eux jusqu'à 20. Alors voilà. Donc tout d'abord, pause, compte le plus loin possible. On va compter ensemble maintenant. Alors, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, maintenant, c'est la lecture des chiffres. Alors, tu vas regarder les chiffres et me dire comment ils se nomment. Alors, celui-ci, c'est quel chiffre? Est-ce que tu le reconnais? C'est le 3. Et celui-là, celui qui a le gros ventre, est-ce que tu sais comment il s'appelle? C'est le 5. Comme les 5 doigts de ta main. 5. Ensuite, c'est le 6. Le 6. Est-ce que tu sais comment s'appelle celui-ci? C'est le 2. On continue. Alors, celui-là, celui qu'on a appris la semaine dernière, celui-là, c'est quel chiffre? Eh bien, c'est le 7. C'est bien le 7. Avec un trait horizontal, un trait oblique. Je les fesse. Le trait oblique et le petit trait horizontal qui est au milieu du trait oblique. Ensuite, celui-ci. Ah, facile, hein, ça fait déjà un moment qu'on l'a appris celui-là. C'est le 1. Et enfin, le dernier, celui-là, c'est le 4. Très bien. Alors, pour la suite, nous allons faire la décomposition de 5. Ça va, vous voyez pas tout le bazar qu'il y a chez la maîtresse. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà 5 glands. Alors, regarde bien. Alors, oui, on va faire pour la première, on va reprendre notre boîte de 5. On va dire les deux premiers. Puis par la suite, on enlèvera. Très bien. On est parti. Combien de glands sont dans ma main?
Il n'y a plus de glands sur l'ardoise. Il y en avait 5. Alors, combien de glands sont dans ma main? On peut donc utiliser le dessin que j'ai fait de la boîte de 5. Donc, combien de cases sont vides? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 glands dans ma main. Ou alors, on se dit, il y avait au départ 5 glands. Il n'y en a aucun sur l'ardoise. Il y en a donc 5 dans ma main. 1, 2, 3, 4 et 5. On continue. Je remets les 5 glands sur mon ardoise. Combien y a-t-il de glands dans ma main? Je peux m'aider des cases qui sont vides dans ma boîte. Donc, 1, 2. Et puis, sinon, je peux compter avec mes doigts. J'ai 1, 2, 3. 3 glands qui sont restés sur mon ardoise. Donc, avec mes mains, je dis, à la base, j'avais 5 glands. Il n'y en a que 3 qui sont sur l'ardoise. 1, 2 et 3. Il m'en reste donc 2 qui doivent être dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que 3 et 2 sont égales à 5. On continue. Et cette fois, j'efface. J'efface la boîte. Alors, hop. J'avais 5 glands sur mon ardoise. Il n'en reste que 1, 2, 3, 4. Combien de glands ai-je dans ma main? J'avais 5 glands. N'hésite pas à faire comme moi avec tes mains. 5. Il n'en reste que 4 sur mon ardoise. 1, 2, 3, 4. Combien de glands ai-je dans ma main? 1. Et je vérifie. 1, 2, 3, 4 et 5. Continue. J'espère que tu n'as pas vu. Alors, hop. Je te laisse réfléchir. J'avais 5 glands sur mon ardoise. Combien en ai-je dans ma main? Je commence par compter combien il y en a sur mon ardoise. 1, 2. J'avais 5 glands. 2 sont sur mon ardoise. 1, 2. Combien sont dans ma main? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Est-ce que tu réussis à trouver le nombre de glands qui sont dans ma main? De toute manière, c'est un travail qui est difficile et on va le répéter. Ne t'inquiète pas si tu te trompes. Hein. Ah oui, hop. Combien de glands sont dans ma main? Commence par compter le nombre de glands sur l'ardoise.
Je peux t'aider de tes mains. 5 au départ. 5 sont encore sur l'ardoise. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a donc rien dans ma main. Ou 0. Effectivement, il y en a 0. Voilà, les rituels d'aujourd'hui sont terminés. Je te souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain. Au revoir.